Cette photographie a été prise par Thomas Péchac, qui est un des photographes stars de National Geographic depuis de nombreuses années maintenant, qui documente non seulement la vie de la biodiversité marine, mais aussi tous ceux qui voguent autour de la mer. Ici, on voit un plongeur en apnée, et c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Il n'est pas simplement en plongée, il est en apnée, et tout d'un coup, il a été entouré par une danse de carangues à gros yeux, qui sont des gros poissons assez impressionnants. Ça a été pris dans un récif corallien qui a été préservé de la pêche il y a plusieurs années et où la biomasse a plus que doublé en seulement quelques années. La vie a retrouvé son chemin depuis que cet espace a été protégé. C'est une des missions de National Geographic de protéger la biodiversité marine. On a un programme qui s'appelle Pristine Sea qui, depuis presque 15 ans, a permis de financer 41 expéditions pour quadriller un petit peu la manière dont les océans fonctionnent. Et avec le concours des communautés locales, des peuples premiers et des gouvernements, de protéger plus de 6,6 millions de kilomètres carrés à ce jour.